Hello ma people, show Bob des Faux Stars, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va causer un peu. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la bêtise qui est de nos jours soutenue par la femme. La bêtise est soutenue par la femme. Je faisais un live il n'y a pas longtemps, et pour un homme que je suis venu pour interpeller un petit frère. Interpeller un petit frère qui a eu à avoir une discorde avec voilà une blogueuse sur la toile. En tant qu'ivoirien, en tant qu'africain, je me suis dit que je vais pas essayer de voir qui a raison, qui n'a pas raison, même si j'ai eu à peut-être dire qu'une personne a plus raison que l'autre, parce que voilà, ça peut être peut-être pris par des gens comme si je défendais une personne pour laisser l'autre. Mais en tant qu'un homme qui venait pour essayer de dire à un petit frère de laisser tout tomber, de présenter ses excuses. Pour moi, c'est un message de sagesse, un message d'apaisement. Mais tu vois que des femmes, une fille ou une femme, je suis pas trop sûr. Qui j'avais pour habitude de voir sur mes lives, qui au fait était en train d'encourager la bêtise. Et j'ai eu à le dire. J'ai eu à lui dire que c'est au fait les commentateurs, ceux qui commentent en bas des vidéos, des lives et tout ça, qui aussi encouragent la bêtise. Parce que je ne pense pas qu'il y a quelque chose de méchant ou quelque chose de mauvais à venir dire à un homme de quitter dans les injures à une femme. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose de mauvais dans ça. Mais quand tu vois que c'est la femme qui vient pour dire que non, l'homme, il a raison. Il faut qu'en gros, il insulte, continue d'insulter la femme. Je me dis, mais attends. La femme encourage un homme à insulter la femme. Je ne suis pas le genre de mec qui est du genre, si la femme insulte, voilà, le féministe là. Je ne suis pas pour défendre des féminismes bracata. Non, moi, ce n'est pas mon truc. Je me dis que on est égal. Ok? Tu insultes quelqu'un, la personne aussi a des sentiments, la personne a des feelings, so that person could react. Mais ce que je suis en train de prôner, c'est au fait la maîtrise de soi. En tant qu'homme, je pense que we need to have like self-control, we need to control ourselves, ok? Donc si je viens et que je dis que non, en tant qu'homme, il faut pas insulter, même si tu dois le faire, même si tu dois le faire. Même si en tant qu'homme, voilà, tu dois le faire. Que quelqu'un vienne pour dire de ne pas le faire. Et qu'une femme vienne pour dire non, il n'a qu'à le faire, que l'autre exagère. Eh, mes soeurs, quand même. Vous ne voyez pas que c'est un peu exagéré. Et ce qui montre même que la femme encourage le manque de respect à la femme, c'est que au début de ma vidéo, de mon live, il y a un frère. Voilà, un frère qui est sur ma toile, qui m'a dit, au défaut. Wow, le mec dont tu veux parler là, c'est mon gars. Hein. Bien qu'il m'a dit ça, mon frère, je te fais un coucou au passage. Je suis désolé si mon message, voilà, là-bas, t'as paru un peu bizarre. Si je t'ai offensé, je suis désolé. Voilà, ce frère-là, il a fait son message. Je lui ai dit que je m'en foutais de son message, que je dirais ce que j'ai envie de dire. Voilà, j'ai fini mon live ce jour-là, mon frère. J'ai pas pu te dire désolé si mon message est venu un peu abrupt. Si mon message est venu un peu de manière brutale, je suis désolé. Voilà. I didn't mean to offend you. Je n'étais pas, sorry. Donc, ce mec qui connaît le jeune homme dont je voulais parler, ce dernier qui est un homme, bien que je lui ai dit, je m'en foutais que ce soit son gars ou pas, il a fait un commentaire et il a disparu. Il est l'homme, il connaît le mec dont je voulais parler. Il a fait un commentaire, il a disparu. Mais la femme qui ne connaît ni Adam ni Ève, ce dernier, c'est elle qui a encouragé. Alors qu'en principe, c'est elle qui doit avoir un message d'apaisement. Voilà, donc je pense que, voilà, that was not cool. C'était pas cool du tout. Non. Vous voyez pas que c'est un peu exagéré. Je suis un homme, je viens pour dire un homme, non, arrête. Vous êtes la femme, vous voulez que ça continue. Come on. Il faut que ça continue. Il faut que peut-être il rentre encore dans le même trou où il était, où il a eu à vous injurier vous-même. Parce que c'est vous les mêmes qui dites, quand un homme insulte la femme, il insulte toute la femme. C'est vous les mêmes femmes qui disent ça. Quelqu'un vient qui est un homme pour dire non, n'insulte pas, arrête. Non.
il faut qu'il continue d'insulter. Le respect, il sera où au fait? Parce que c'est encore vous qui réclamez le respect. Moi, je pense que franchement, il faut qu'on fasse la part des choses. Voilà. Il faut qu'on fasse la part des choses. Les guéguets et autres, là, c'est clair que ça peut être anime, ça peut être passe, ça vous fait passer peut-être du temps. Mais vers la fin, il faut que quand même on essaie de réfléchir de bonne manière. On va pas encourager des personnes à se battre, à s'injurier, à se faire des bêtises sur la toile. Je pense qu'on ne doit pas le faire. Parce que quand on continue de le faire, ça ne va jamais s'arrêter. C'était un petit message pour moi ce soir. Parce que j'ai été sidéré que ça venait de femmes. J'étais sidéré que ça venait de femmes. Femmes qui encourageaient la bêtise. Enough is enough. You guys need to stop it. That was me, Day 4 Star. C'est ma page ici. YouTube, t'es pas encore abonné, tu peux le faire. Donne-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu penses de ma vidéo. Let's prone peace. That's what we need. On a besoin de paix. Les guerres, on en a marre. Day 4 Star. I make the choco, very choco. Set me.